Donc j'ai une enfance miséreuse, mais heureuse. J'étais libre, je vivais seul, j'allais dans la forêt. On a attaché à la poignée de la salle de cinéma cette bombe. On l'allume. Moi, je crois que c'est moi qui l'ai allumée, je ne sais plus. Une déflagration terrible. Petit nid, nous avons grandi en compagnie de madame, qui nous a imprégnés de vivre en bonne harmonie. C'est grâce à vous tous, habitants et amis des Lessous, que chaque année, depuis 2001, nous sommes réunis. Il y en avait une qui pleurait dans le grenier, madame. Vous savez, et elle n'avait pas mangé. Je dis, ça ne peut pas se faire. Je l'ai reposé. Il s'est tourné vers moi, il a remué les lèvres, je ne sais pas ce qu'il a dit. Ça, des fois encore, j'y pense. Et il avait 20 ans comme moi. Colonel de l'armée américaine qui est allé en Allemagne avec cette voiture. Elle a fait le débarquement. Je pense que dans l'agriculture, on n'est pas solidaire comme on était avant. Alors, est-ce que c'est le nouveau matériel qui le fait parce qu'on n'a pas besoin de... C'est vrai, avec le matériel qu'il y a aujourd'hui, un gars tout seul, il fait beaucoup de choses quoi, tout seul. Mais on s'attachera les bretelles un peu haut, comme ça on tiendra un peu mieux. Et voilà. Quand on se dispute, et ça s'arrange toujours. Voilà. C'est comme ça. Il faut s'aider les uns avec les autres. Nos belles demoiselles nous attendaient un habit d'été. Nous échangeons alors nos premiers baisers parfumés. Ces moments magiques en avons profité. Nos jeunes années, papillons fragiles, se sont envolées. Les souvenirs uniques au goût du passé nous unissent dans notre grande amitié. On m'a appris à avoir le respect, de respecter les personnes âgées, de faire attention à ce qu'on disait. Je vous le donne pour la petite.